Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se revoit pour une vidéo sur les produits Yves Rocher. Donc, Yves Rocher qui est une compagnie où tous leurs produits sont conçus à partir d'extraits de plantes. C'est une compagnie qui vient de France. Chaque produit qu'on achète, il rembourse si jamais on n'est pas entièrement satisfait. C'est une compagnie que j'aime beaucoup. J'utilise leurs produits depuis longtemps. Puis la plupart du temps, je suis très satisfaite. Donc, je vais commencer par mon produit chouchou de la gamme Sebo Végétal. Ça se trouve à être l'eau micellaire purifiante 2 en 1. Donc, dans ce flacon-là, on a à la fois une lotion et un démaquillant. Fait que je trouve que c'est vraiment pratique. C'est une gamme qui est faite pour les peaux mixtes à grasse. Puis, l'odeur là, est vraiment géniale. C'est une odeur qui sent frais. C'est entre une odeur de fleurs et de poudre pour bébé. C'est là quelque chose de poudreux. Ça sent vraiment très, très bon. C'est une odeur de fraîcheur, une odeur de propreté aussi. Donc, moi, je l'ai vraiment beaucoup adoré, surtout pour l'odeur, puis aussi son côté pratique, deux en un. Le bouchon est vraiment pratique à utiliser. Il s'ouvre comme ça, puis on en met sur un coton. Puis, je trouve que c'est vraiment pratique. Ça élimine efficacement l'excès de sébum et les impuretés. C'est une formule qui est testée sous contrôle dermatologique. C'est sans parabènes, sans huile minérale, sans colorant et sans silicone. Donc, c'est une formule qui est quand même assez clean. Ici, on a un 200 ml et c'est vendu 17 $ chez Yves Rocher. Ensuite, on a le gel nettoyant purifiant qui, lui, fait 125 ml. Lui est vendu 16 $. Puis, il est fait avec de la poudre de Baïkal purifiante. Puis, lui aussi, il sent très bon, comme tous les autres produits de la gamme. Ça, c'est fait pour débarrasser les pores de ses impuretés. Ça libère l'excès de sébum. Puis, la texture est non grasse, étant donné que c'est un gel. Donc, moi, je préfère des textures en gel comme nettoyant visage. Je trouve que ça va super bien. Puis, ça s'enlève facilement aussi. C'est une formule qui est testée sous contrôle dermatologique. C'est sans parabènes, sans huile minérale et sans silicone, lui aussi. Donc, je l'ai beaucoup aimé, celui-là, tout comme l'eau micellaire. Puis, on a le gommage purifiant Sebo Végétal. Lui est vendu 19 $ et c'est un 75 ml. Donc, lui, le grain il est fin. Donc, ça donne une exfoliation qui est douce. L'odeur est comme l'eau micellaire et les autres produits de la gamme. Puis, il est fait sous forme de crème avec des grains à l'intérieur. Donc, ça élimine les cellules mortes. Il est très crémeux. Puis, lui aussi, il est testé sous contrôle dermatologique. Il est sans parabènes, sans huile minérale et sans silicone. C'est un gommage que j'ai beaucoup aimé. À cause de l'odeur aussi, surtout. Puis j'ai trouvé qu'il n'était pas trop abrasif parce que le grain, il n'est pas gros ou il n'est pas moyen. Moi, j'aime ça quand c'est vraiment fin. Donc, je l'ai beaucoup aimé, ce gommage-là aussi. On poursuit avec le gommage gourmand à l'abricot. Ça, c'est vendu 4,95 $ chez Yves Rocher et c'est un 50 ml. Moi, quand je voyais les vidéos là-dessus, j'avais l'impression que le format était vraiment beaucoup plus gros, mais c'est tout petit. Il n'y en a pas beaucoup dedans, mais c'est pas grave, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Lui, la texture est onctueuse. Ce gommage-là, il a une odeur légère d'abricot. C'est pas une odeur qui est entêtante, c'est vraiment léger. Puis, il est fait sous forme de crème beige. Je peux vous montrer. On le voit un peu comme ça, là. Il est très, très crémeux. Puis on sent les petits grains à l'intérieur. Donc, il exfolie délicatement la peau avec de la poudre de noyau d'abricot. Puis eux, ils ont fait un test. Ils disent que 89% des femmes constatent que le produit laisse la peau douce. C'est sans parabènes, puis ils disent de l'appliquer deux fois par semaine. Puis moi, je l'ai vraiment aimé, celui-là aussi. Je trouve que c'est un bon gommage. Il est très agréable à utiliser aussi à cause de son odeur. Pour finir, on a le masque effet glacé Cranberry, donc à la canneberge, 3 minutes.
Donc ici, c'est écrit « Fraîcheur éclatante », c'est un 50 ml et c'est vendu aussi 4,95. Puis c'est une délicieuse odeur fruitée de canneberge qui ressort. Puis il est vraiment le fun à utiliser, ce masque-là, je l'ai adoré. On le met seulement 3 minutes. Puis moi, je suggère de le mettre au frigo avant pour donner un effet plus rafraîchissant. Donc surtout l'été, c'est le fun à utiliser. Donc il y a vraiment un effet rafraîchissant et revitalisant. Puis il est sans parabènes. Moi, je l'ai beaucoup aimé, puis je vous le recommande aussi. Finalement, moi, j'ai adoré les produits de la gamme Sebo Végétal. Dans les deux produits ici, celui que j'ai préféré, c'est le masque, à cause de son odeur de canneberge, c'est très gourmand. Donc, les produits Yves Rocher, c'est vraiment une valeur sûre, puis je vous les recommande fortement. J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!